Salut les gens, ici Rafi Sanchez de 50, on se retrouve pour le deuxième épisode sur F1 21. Donc c'est parti, séance de qualification du Grand Prix du Canada. Donc petite info, j'ai pas pu vous faire la vidéo hier parce que j'ai, comme vous avez vu sur YouTube, j'ai mis un petit post dans l'espace communauté que j'avais une coupure de courant chez moi. Donc ça a commencé à 18h et moi du coup j'ai pas pu manger chez moi parce que le petit, c'est pas évident, on a été manger chez mon beau-frère. Il nous a dépanné du coup parce que bah, le petit dit courant, pas, on peut pas faire chauffer ses biberons, etc. Donc on a mangé chez lui. Et moi je suis rentré vers minuit et le courant venait juste à peine d'être remis. Donc j'ai pas pu capturer la vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui arrivera les deux vidéos. Donc le Grand Prix du Canada, donc les qualifications du Grand Prix du Canada, plus la course du Grand Prix du Canada aujourd'hui, ce dimanche. Donc c'est parti, on va faire les qualifs ensemble. On va voir si ça va bien se passer. Donc les séances d'essai se sont bien passées, on a eu tous les objectifs. Donc on va faire prendre la piste, régler le parking fermé, excusez-moi. Départ lancé, on va essayer de faire le meilleur temps. Voir si on peut avoir un bon temps ou pas. J'espère. Donc c'est un circuit que j'apprécie, donc théoriquement, les qualifications et le Grand Prix devraient bien se passer, mais bon voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur quoi. Donc c'est parti. Donc moi j'avais tourné en... Ouah, c'est quoi ça? Le moteur, elle a un problème ou pas? Ça fume derrière. On a l'impression que... Ouah, il y a de la fumée. Oh putain, ça fume le moteur. On a mis un truc à changer dessus. Hein. Oh, on a le moteur qui fume là. C'est la première fois que je vois ça, dans le... même dans les anciens F1, ça faisait pas ça. C'est un nouveau truc à mon avis. On a un moteur qui fume blanc quoi. À mon avis, il y a un truc à changer dessus. Donc, je sais pas si je peux le voir. Je vais me mettre en ligne droite après pour voir ça. On a, ah oui, on a le MCI qui est vraiment endommagé et le TC. Donc je sais pas c'est quoi le TC. Ah oui, d'accord. Waouh. Alors je sais pas si on va pouvoir faire un bon temps. Donc même si je change des pièces, normalement on devrait pas avoir de pénalité. Waouh, 86%, ça devrait tenir la course. Après, je crois que c'est pas les mêmes pièces, les courses et les grands prix. Je crois que c'est pas les mêmes pièces, normalement. Normalement, ça devrait tenir à la course, normalement. Ah, c'est comme... Ah ouais, ouais, putain. Ah, ça fume bien, franchement. Une 12. J'ai fait meilleur que dans les séances d'essai, quoi. J'ai fait mieux que les séances d'essai. Parce que j'avais fait une 15 pendant les séances d'essai. Là, j'ai fait mieux que les séances d'essai, quoi. On va attendre de comprendre pourquoi. On va faire un dernier tour, pour voir si on peut améliorer notre temps. Donc l'Italien, Giovinazzi, qui est chez Alfa Romeo, qui nous a laissé passer, il voit qu'on est plus rapide que lui. Donc ouah, franchement la voiture, je suis... Pourtant tout à l'heure j'ai fait les séances d'essai, c'était pas comme ça. Hein. Mais je crois que normalement c'est pas les mêmes pièces. Hein. Entre les qualifs et la course, c'est pas les mêmes pièces. Il y a un moteur pour la course et un moteur pour les qualifs. On l'a fait moins bien, c'est pas grave. On va quitter, pas quitter, retour au garage. Ah, c'est bizarre, c'est les pièces qui sont endommagées. Trop chelou, quoi. On changera ça avant la course, du coup, sinon. Alors, info session, je suis à combien de temps, du coup presque une seconde. Donc, je vais avancer le temps. Avancer le temps. On va avancer le temps, on va bien voir ce qu'il en est. Donc, c'est le circuit de Jacques Villeneuve au Canada. Donc, est-ce qu'il y a des temps d'améliorer ou pas, non? Je pense pas qu'ils vont faire mieux que moi. 20, ok, 23. Ah, on n'est pas très loin hein, au niveau du temps. Non. Donc on est premier normalement. On est resté premier. On va essayer de voir pour changer les pièces.
Voilà, tac. Maintenant que les qualifications sont terminées, donc je suis premier, donc c'est cool. Le rookie, Hamilton et Max Verstappen. On va aller voir juste un truc, continuer. Donc on va aller voir vite fait tout de suite le truc. Je pense que je vais peut-être faire mon Grand Prix ce matin, je vais peut-être avoir le temps de le faire. Comme ça, je vous publie ce matin, en début d'après-midi, les qualifications. C'est comme les qualifications, on dirait peut-être même pas 5-10 minutes en tout. Je pense que je la publierai après, quoi. Ah oui, franchement, je suis content, à part la voiture qui est un peu abîmée. Un soulagement, il n'y a rien de surprenant à ça. Rien de surprenant, notre voiture est vraiment rapide. L'aérodynamique portait ses fruits, je vais mettre ça. Ouais. Sur l'aéro, il n'est pas terrible. Je suppose qu'elle rencontre un problème technique. Je ne sais pas si j'espère qu'il va rester motivé. Vu les vite, musique et en fait les frais. Je ne sais pas, j'espère qu'il va rester motivé. Je vais mettre ça. Je sais pas quoi mettre, donc voilà quoi. Donc on va aller voir ça, ce qui a changé comme pièce, parce que là, je crois que pour la course, c'est pas les mêmes. Si je me trompe pas, c'est pas les mêmes pièces, c'est pas les mêmes usures. Après, on va tenter le truc, on peut essayer de faire la course avec ce moteur-là, mais je suis pas sûr que ça puisse tenir le coup. On va tenter, hein. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Ce 83-86%, ah, je sais pas si ça va péter ou pas, je suis pas sûr. J'ai peur que ça pète et puis que ma course aille foutue, quoi. C'est ça qui me fait peur. On va voir ça tout de suite. Alors, du coup. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. Ouais, ok. C'est donner les meilleures chances pour la okay, course. Ok, moteur. Ouais, vous voyez, c'est vraiment usé, quoi. Temps restant, ils disent pas combien de temps reste de temps. 87%. Temps de piste, usure 287%. Ils mettent pas les... Combien on peut faire de tour avec, encore. Génération de longévité, 12%. Ah, durée de vie estimée, 37 tours. Donc, normalement, ça devrait le faire. 37 tours, ok, là. Ils mettent pas, là. Ah ouais, 37 tours, ok. Durée de vie estimée. Donc je peux tenter la course avec ce moteur là. Mode de vitesse, on est bien. Les pneus, on s'en fout. On peut tenter la course. On changera usure globale 66%. On changera tout au prochain Grand Prix. On va tout faire après au prochain Grand Prix. On fera ça. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour le Grand Prix du Canada. Excusez-moi. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, portez bien. Peace.